Devenus célèbres du jour au lendemain, ils sont très jeunes et très riches. Non pas grâce à un talent ou à une performance, mais tout simplement en étant actifs sur TikTok. Ces étoiles montantes ont fait leur entrée dans le classement des TikTokers les plus riches du Nigeria. Depuis l'essor des réseaux sociaux, le concept de célébrité a complètement changé. Il y a 20 ou 30 ans, la célébrité était tellement difficile. Il fallait apparaître dans plusieurs films ou séries, être un chanteur à succès ou une personnalité publique avant d'être célèbre. Aujourd'hui, les plateformes comme TikTok ont changé la donne. D'abord parce qu'il est possible de devenir hyper populaire et gagner des millions de followers en un rien de temps. Ceci même depuis sa chambre à coucher. Dans cette vidéo, je vous présente les 10 TikTokers les plus riches du Nigeria en 2023 et leurs revenus estimés. Avant d'aller plus loin, abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, active ta cloche de notification, like la vidéo et partage au maximum pour nous encourager. Si c'est fait, alors let's go. Numéro 10, Purple Speedy. Peace Pepper Anpe, également connu sous le nom de Purple Speedy, est une star nigériane de TikTok, artiste de contenu numérique et influenceuse de marque. Née le 10 décembre 1998 dans l'état de Benue au Nigeria, elle a acquis une popularité mondiale en partageant des sketchs et des vidéos de danse sur TikTok. Purple Speedy est une sensation des réseaux sociaux, reconnue pour son contenu cohérent et engageant sur diverses plateformes, notamment TikTok et Instagram. Elle réside actuellement à Abuja au Nigeria et a collaboré avec d'autres TikTokers tels que Don Jazzy et Chris A. Elle compte plus de 11 millions d'abonnés et plus de 253 millions de likes sur TikTok. En plus de ses vidéos de danse, elle est également connue pour ses publications sur l'amour, la beauté et le style de vie. On estime sa valeur nette à 60 000 $. Joy Essiet Ayomide est également connue sous le nom de Chloé Grams. Est un mannequin nigérian et une star populaire sur TikTok. Originaire de l'état de Lagos, elle est née le 3 mai 2002. Chloé a une sœur cadette prénommée Mercy qui est également active sur TikTok. Pendant le confinement en 2020, Chloé Grams a commencé à créer du contenu sur TikTok. Elle a rapidement découvert son talent pour les sketchs et la danse. Parallèlement à sa carrière de mannequin, elle est devenue une véritable star de TikTok grâce à son travail acharné et à sa constance. Elle compte actuellement plus de 2 millions d'abonnés et plus de 207 millions de likes sur la plateforme. Chloé a été nominée pour plusieurs prix, dont le First Influencer Award. Elle a également fait des apparitions dans des clips vidéo d'artistes tels que Davido, Wizkid, Pato Rankin et bien d'autres. En tant qu'ambassadrice de la marque de soins de la peau FAP au Nigeria, sa valeur nette est estimée à 70 000 $. Numéro 8, Gilmour. Mohamed Gilmour Adekunle, également connu sous le nom de Gilmour, est un comédien nigérian, créateur de contenu et réalisateur de sketch. Il utilise TikTok et Instagram comme plateforme pour partager son contenu. En 2022, il a commencé à créer des contenus sur Instagram et depuis lors, il publie régulièrement. Gilmour est considéré comme l'un des nouveaux talents montants dans le domaine du sketch et il a réussi à se faire remarquer en ligne. Son talent et sa particularité résident dans sa capacité à capturer l'humour des situations quotidiennes auxquelles les Nigériens peuvent s'identifier. Ses sketchs abordent des sujets tels que les parents nigérians, la vie scolaire au Nigeria, les situations sociales, les tendances nostalgiques et bien d'autres. Récemment, lors des Trend Up Awards 2023, Gilmour a été nommé dans la catégorie Force du sketch comique. Il compte actuellement plus de 831 000 abonnés sur Instagram et 1,3 million sur TikTok. Sa valeur nette est estimée à environ 80 000 $. Numéro 7, DJ Chicken. Ademola Abiodun, plus connu sous le nom de scène DJ Chicken. Il est un DJ, musicien, producteur de disques et influenceur des médias sociaux nigériens. Né le 10 avril 1995, il a acquis une grande popularité au Nigeria grâce à son travail impressionnant. DJ Chicken s'est forgé une réputation en publiant plusieurs mixtapes mettant en vedette sa signature Ago Lo Kukuruku, qui est devenu largement reconnu et apprécié par ses fans. Ses talents créatifs ont également conduit à la sortie de divers projets à succès, tels que la mixtape Welcome Back et l'IP New Era Volume 1 et bien d'autres. En plus de sa carrière solo, DJ Chicken a collaboré avec certains des plus grands noms de l'industrie musicale nigériane, notamment Portable, Sure Dot et Fela Tso. Ses compétences en tant que DJ et producteur de musique ont été largement reconnues et il a reçu de nombreuses extensions et récompenses pour sa contribution à l'industrie musicale. Sa valeur nette s'élève à 95 000 $. Numéro 6, Beauty Goddess.
John Mary, mieux connue comme Beauty Goddess, est une star nigériane et ghanéenne des médias sociaux, une TikTokeuse et un mannequin originaire de la région sud-ouest du Nigeria. Sa carrière débute sur TikTok où elle publie divers contenus divertissants, notamment des vidéos de danse et des clips humoristiques. Son contenu dynamique et stimulant a rapidement capté l'attention de millions de personnes, lui valant un grand nombre d'abonnés sur la plateforme. En plus de sa popularité sur TikTok, elle a également établi une forte présence sur Instagram où elle partage des contenus axé sur l'amour, la beauté et le lifestyle. En 2021, la contribution de Beauty Goddess en tant qu'influenceuse des médias sociaux a été reconnue lorsqu'elle a remporté le prix de l'influenceur de l'année. On estime que sa valeur nette s'élève à 100 000 $. Numéro 5, Salo Oloba. Salo Oloba, ou encore Fonny Orji, est un musicien de rue nigérien et comédien. Il s'est fait connaître grâce à son mélange unique de paroles en yoruba et en anglais, ainsi que par ses performances énergétiques. Né à Ibadan au Nigeria en 1997, il a grandi dans une famille de musiciens et a commencé à jouer de la musique dès son plus jeune âge. Salo a appris à jouer de la guitare et de la batterie, et il a également commencé à écrire ses propres chansons à l'adolescence. Après avoir étudié la langue et la littérature anglaise à l'université d'Ibadan, il a obtenu son diplôme en 2019 et a déménagé à Lagos pour poursuivre une carrière musicale. Il a sorti plusieurs singles dont Voice of the Street et Fananwale. Il est devenu un artiste de scène populaire au Nigeria et s'est également produit aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Sa valeur nette est d'environ 155 000 $. Numéro 4, Wike. Wike, de son vrai nom Chibuike Promise Obi, est un chanteur nigérian, TikToker, créateur de contenu, homme d'affaires et promoteur immobilier. Né le 7 mars 2000 dans l'état d'Obi à Anambra, Wike a acquis une notoriété grâce à son premier freestyle devenu viral sur TikTok et Facebook en 2020. Son talent a attiré l'attention qu'il méritait. Wike est un rappeur inspirant qui a sorti plusieurs morceaux dans l'espoir de se faire un nom dans l'industrie musicale. Bien qu'il n'ait pas encore atteint une reconnaissance mondiale en tant que musicien, son apparition frappante a capturé une large base de fans, en particulier parmi les ambassadrices féminines. Avec 1,9 million d'abonnés sur TikTok et des centaines d'abonnés sur d'autres plateformes telles que Twitter, Facebook et Instagram, sa collection de voitures comprend un SUV Lexus RX350 et une Lexus ES350. Sa valeur nette est estimée à 200 000 $. Numéro 3, Tidola. Tidola, de son vrai nom Olabinjo Oyotunde Kwam, est un chanteur, rappeur et danseur nigérian âgé de 21 ans. Originaire d'Ogijo dans l'état d'Ogun, il a grandi dans une famille de danseurs. Ses parents étaient eux-mêmes de professionnels dans la danse. Dès son plus jeune âge, Tidola a été immergé dans le monde de la danse et est rapidement tombé amoureux. Il a commencé par des chorégraphies et a partagé ses vidéos sur des plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, Instagram et Facebook. Il passait d'innombrables heures à perfectionner son art et à perfectionner ses compétences qui ont finalement porté ses fruits en 2018. Il a posté une vidéo de danse sur TikTok et elle est rapidement devenue virale. Tidola a été nommé dans la catégorie du meilleur créateur de contenu de danse aux côtés des grands danseurs nigériens. On estime que sa valeur nette est d'environ 220 000 $. Numéro 2, Soft Medit. Jerry Chucks, mieux connu comme Soft Medit ou Golden Boy, est une star nigériane de TikTok, danseur, producteur et influenceur des réseaux sociaux. Né le 2 août 1996 à Lagos, au Nigeria, il a fréquenté le King's College pendant ses études secondaires puis a rejoint l'université Bok. Autodidacte, il est devenu célèbre grâce à son contenu régulier et captivant sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment TikTok et Instagram. Membre du groupe TikTok The Gang, Soft Medit est également mannequin et a collaboré avec des marques telles que Techno et Lego City Polytechnique. En 2015, il a créé sa propre chaîne YouTube qui compte actuellement plus de 14 000 abonnés et propose principalement des vidéos de reprises de danse. On estime que sa valeur nette avoisine les 500 000 $. Numéro 1, Rodney. Rodney Oumé est né le 14 décembre et vient de l'état d'Anambra, dans la partie orientale du Nigeria. Il est un influenceur des médias sociaux nigériens, un TikToker, un créateur de contenu. Rodney est connu pour ses vidéos courtes et hilarantes qu'il publie régulièrement sur Instagram et TikTok. Il a commencé à partager des vidéos sur les réseaux sociaux en 2021, dans la période de la pandémie du COVID-19, et aujourd'hui, il compte plus de 6,9 millions d'abonnés sur TikTok et plus d'un million d'abonnés sur sa page Instagram. Sa valeur nette est estimée à environ 1 million de dollars. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à partager vos impressions dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.